Je suis désolée. Ça va et toi, moi ça va super.
déçue que j'ai pas réussi à me lever tôt. Mais c'est pas grave, à part ça, j'ai passé une super bonne journée. Et j'ai encore fait que dessiner, en vrai ça me détend de ouf. Tu fais jamais de Roblox en ce moment? Non, Noah, je suis désolée, c'est vrai que j'ai une petite pause de Roblox là. Ça va, Philo, tu vas bien? Je pouvais pas manger, j'ai mangé des pâtes carbonara. Oh, c'est trop bon ça, c'est archi bon. C'est trop bon les pâtes carbo, y'a Emma qui va me taper, mais elle a pas vu, elle a pas vu. Coucou Toutou, comment ça va Toutou, tu vas bien? Hello. Oh non, Johnny, bon courage alors. Bon courage Johnny, bon courage. J'espère que ça va vite se terminer pour toi. Octo, c'est quand le journal Poupie? Ah, oh, je suis désolée, j'ai un peu de retard. Mais là c'est quasi fini, ça devrait pas tarder à sortir Alexou. Je laisse mon leurre car je vais regarder l'épisode de moi quand je me regarde en slime. Bon visionnage là, ça tu me diras s'il était cool. Il faut que je rattrape mon retard aussi, je suis pas à jour du tout. Non, j'essaie sur mon compte, mais j'en ai 3 et 2 de secours. Ah bah ça va alors. Tu pourras utiliser les autres de secours. J'avoue Kevin, j'avoue, racontez-moi votre journée vous aussi. Bonsoir Yaya, comment ça va, tu vas bien? Hello. Octo, tu as journée, mais le rayon de soleil m'a redonné de l'énergie. Bah ouais, avec le changement d'heure maintenant, c'est vrai qu'il fait jour jusque très tard en vrai. En vrai, ça va super et toi Octo? Moi ça va Toutou, ça va super. Qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui Toutou? Eh bien, je me suis levée, c'est déjà pas mal. Non, je rigole, j'ai fait un peu de sport, beaucoup de musique et sinon j'ai lu. Oh, qu'est-ce que tu as lu, dis-moi. Je peux passer une commande à la princesse des poulpies. Je voudrais un goussi goussi. Ok, je vais dans l'ordre. Goussi 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 goussi. Goussi 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 goussi. Goussi 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 goussi. Avec supplément câlin. Allez, c'est parti. Supplément câlin. Bonsoir Kirito, comment ça va Kirito, tu vas bien? Hello. Hello, hello, bonsoir Star Aleia, comment tu vas toi aussi? Bon retour, comment tu vas Star Aleia? Oh non Johnny, Johnny si ça peut t'aider on va te mettre une petite commande dans le chat, la petite commande courage, n'hésite pas à la lire en vrai, il y a moyen que ça peut t'aider si t'es comme ça. Salut ma princesse des mers et bonsoir Jérôme, comment ça va, tu vas bien? Hello. Oh, t'es archi chaud, c'est moi de rayon de soleil, c'est trop chaud ce que tu dis. Aujourd'hui, on est le 5 avril. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas vu la suite de ton message par contre. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Kirito? Pourquoi tu fais ouf? Je me suis levée à 5h et depuis 6h, je travaille, j'ai fini à 12 et j'ai fait. Attends quoi? J'ai fait que de me tenir en fait, bah. Ah non, tu parles de ton patron peut-être? Oh là là. Oh là là, je vais le démarrer. Dis-moi, c'est qui Kevin? Je t'en prie, Darken. Je cherche Matrix Sune, peut-être qu'il est pas encore arrivé. Peut-être. Moi, perso, j'étais en cours, c'était pas très bien. Je vais lire La guerre des clans. Ok, je connais pas, mais bonne lecture alors. J'espère que ça se passera mieux. J'allais dire demain, mais non, y'a pas cours demain. La semaine prochaine alors. Repose-toi bien ce week-end, amuse-toi bien, bonne chance et les idées. Et moi, ça va, Star Aleia, je te remercie, qu'est-ce que t'as fait de pas gentil. Coucou Soren. Oh non, on me voulait, ce serait terrible. Ce serait terrible. Alors viens là Yaya. Et voilà. Je croyais que tu m'avais pas vu. Bah si je t'ai dit bonjour même. Comment tu vas Kirito? Comment ça va? Je suis désolée pour toi que tu mérites pas d'être ainsi. C'est clair. J'espère que les choses vont s'améliorer pour toi. Et je te souhaite beaucoup de courage ainsi que beaucoup de soutien. T'es trop chaud content. On lui souhaite tous. Bah écoute les cours. Et là je suis en vacances. Let's go. Bonne vacances. Let's go. T'es en vacances pour combien de temps tout ça? Ah ok Frédérico. J'ai fait mes cheveux mais ils sont tout ondulés avec la machine là. Quelle machine! Et pour ça Yomé, comment t'as passé le basket? C'était bien. Ah et ça t'a saoulé, encore plus stressé. Ah ouais bah c'est pas la bonne solution pour toi alors Johnny. C'est pas cool c'est clair. Ou peut-être que c'était pas la bonne personne alors. Parfois il faut réessayer mais ok. Mon contrat se termine le 30 juin et je pense qu'après j'arrête et je prends un peu de vacances. Let's go Kevin, j'espère que ça va arriver vite pour toi. Salut Sora, ça va bien? Poup, le cellulaire, mais comment tu parles? Ça va bien, let's go Kirito, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'à choisir les deux, je préfère ça aussi poulet, et c'est vrai. Je sais pas comment ça s'appelle, quoi donc Emma à la machine.
s'imagine qu'il chauffe ou pas. C'est une pure joie, rien de savoir le fait qu'elle live le soir. J'y pensais que je me réveille. Oh mais non, t'es trop chou. T'es trop chou, Quentin. T'es trop trop chou. Aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup et là, je fais des stickers. Oh, c'est trop stylé ça. Et du coup, là, je joue à Genshin et je t'écoute en même temps. Amis, t'as bien dit, je quelle perso sur Genshin. Y'a qui dans ton équipe? Et bah écoute, moi j'ai fait quoi aujourd'hui? Comme hier en vrai, j'ai dessiné toute la journée. Et c'est tout. C'est tout, mais c'était cool. Bonsoir Dendo, comment ça va Dendo? Tu vas bien? Ah ok Johnny. J'ai mal au crâne, oh mince Oren. T'as pris tes médicaments pour aller mieux, t'as bu de l'eau. Ah là là. Moi aussi j'avais mal au crâne hier en vrai. Mais ça va, c'est passé depuis ce matin, j'ai plus mal. Je vais partir à côté de l'Espagne, je pense, pour passer une journée là-bas. Ah, trop cool. Trop bien alors, mais il va faire chaud hein, si tu vas cet été. Je vais m'y faire, ok, poulet, j'espère. J'espère. Merci beaucoup, Loulou. Merci beaucoup, Loulou, pour ton follow. Bienvenue à toi chez les petits poulpis, comment tu vas? Bienvenue à toi chez les petits poulpis, comment tu vas? Je suis retournée seule au resto où ma sœur est en stage. Oh, elle devait être contente alors. C'était pour lui faire une surprise ou juste parce que c'est trop bon là-bas. Ou les deux. Une surprise plus c'est trop bon. non, il y a... Moi, j'ai pas suivi, Yo, mais je suis désolée. J'ai pas suivi. C'est ta pote et des amis de ta pote qui font ça, c'est ça? Je crois que j'ai loupé le message d'avant, je pense, Yumi. Ça va et toi? Moi, ça va, Dendo, je te remercie. Qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? J'espère que t'as pas peur du soleil. Ouais, j'ai pensé à la même chose direct, Quentin. J'espère que tu profiteras bien et que tu te reposeras bien. Et bonsoir, Francky. Bonsoir, bonsoir, comment ça va, Francky? Parlons d'autre chose, j'ai eu mes affaires de foot aujourd'hui. Oh, c'est génial, poulet, c'est génial, t'as eu ta tenue et tout. Elle est stylée ou pas? C'était un fer à boucler au dos. Oh là là, c'est pas bien, ça va encore t'abîmer les cheveux. Les deux peuvent être positifs au dos. La crème solaire sera ma meilleure amie. Ouais, faut blinder. Et oui, du soleil fait du bien quand il y aura les lives. Je vais courir dessus. T'es trop chaud, Kevin, t'es trop chaud. Mais pourquoi ils disent que vous saoulez Yumi, je crois, c'est ça, j'ai pas compris. Ça va très bien, Franquilette, quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait de pas gentil? Ah, c'est quand vous perdez. Ok, Yumi, j'avais pas capté, d'accord. Ouais, bon, ça, c'est les rageux. On appelle ça des rageux. C'est parce qu'ils sont jaloux que vous avez gagné, Yumi, c'est pour ça. Ah, c'est vrai, Frédérico, à cause de mon accent éclatant, que c'est ça. Je joue à Brawl Stars, let's go. Let's go, mais ça vient à la store. Faudra que je m'échauffe aussi là pour ce week-end pour que je sois prête dimanche. Je te montre ça sur Discord, vas-y. Moi j'ai joué au piano et j'ai surkiffé. Oh trop bien, t'as fait quoi comme musique? T'as bien raison, je ne sais pas vers quel côté de l'Espagne tu te situeras, mais côté basque et barcelonaise, c'est super apparemment. Toi t'as déjà été content. J'ai installé Brawl Stars Octo au cas où j'apprécie live de demain. Oh, let's go! J'espère que ce sera le cas, Quentin. Par contre, si jamais ce sera pas demain, ce sera dimanche, Brawl Stars. Si je dis pas de bêtises, mais bien vu, bien vu. Hello, comment ça va, Killer Eternal? Hello, hello. Hello, hello. J'ai fait plein de musique, donc je ne sais plus trop. Ok, trop cool. Trop cool, trop cool. Moi, j'arrive pas trop à retenir les notes que je dois faire quand je joue d'un instrument. Du coup, j'abandonne très vite. Hop. Au départ, j'ai cru qu'en ASMR, tu ne parlais pas. Mais là, on peut raconter nos vies sans problème. Ouais, moi, j'aime bien discuter. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui font que des bruits sans parler. Mais moi, c'est limite l'inverse. Parfois, je parle trop et j'oublie de faire des bruits. Moi, c'est limite l'inverse. Mais ouais, j'aime bien discuter, j'aime bien discuter. Fortnite, c'est demain, non, à demain, ouais. Et merci beaucoup, Rom et Rodriguez. Merci beaucoup pour vos follow. Bienvenue à vous chez les petits poulpis. Bienvenue, comment vous allez? Comment vous allez? Sinon, ça va, aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée et je vais avoir mon casque gamer pour toutes les plateformes demain. Je suis trop impatient. Let's go, Dendo, c'est trop cool. Ça fait la divin
piano. Ah ouais, mais ça coûte cher, je crois, non, les vrais pianos, là. Sur pied et tout. Je crois que c'est plagiat. Ma prof de sport, elle a dit, allez sur le terrain tout seul et on verra, ils ont perdu. Bah voilà, tu vois, Yomé. Tu vois, c'était sûr, en fait, t'es trop fort. Ça va super et toi, Rome? Ça va super et toi? Je peux te coiffer? Bien sûr, vas-y. Je mange la pizza et j'attends le bout de là. Il ding-dong à la porte. Ah, let's go, t'as commandé chez qui? Moi, c'est ce que je préfère quand on parle comme ça. Oui, moi aussi, j'aime trop. J'ai les 2 millions. Ok, du tout. GG pour les 2 millions de pentakills. OMG, prends un screen, prends un screen. C'est dingue, ça. C'est dingue. J'en veux pas en vrai, donc tranquille. Ah oui, ça va alors. Ah, Ewan. Bonsoir, Ewan. Comment tu vas? Et je t'aime, Ewan. Je t'aime, Ewan. Je t'aime. Ewan. Je t'aime. Je t'aime, Ewan. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Ewan. Comment tu vas? Ça va bien? T'as passé une bonne journée? Et bonsoir, chatouille. Comment ça va? Tu vas bien? Ah, pizza truc. Ok, bien vu. T'as pris quoi comme pizza? Oh, toi, j'étais dans ce TikTok de K-pop. C'est trop kawaii. Ah, oh, c'est vrai, Frédérico. Merci, je suis contente que ça t'ait plu. Les profs de sport, ils me disent de courir, mais ils le font pas. De fou, ils font pas d'efforts, ils abusent. Bon, après, s'ils devaient courir toute la journée, je pense qu'ils seraient fatigués aussi, ça se comprend. Ça va et toi? Moi, ça va super, Ewan. Je te remercie. Qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Bonsoir, chatounette. Comment ça va? Tu vas bien? Bonsoir, Kéliane. Comment ça va toi aussi? Let's go, la richesse pour Kirito. Let's go, ça. Je t'aime, Octotipis. Hey, je suis pas une Octotipis. Mais merci, Killer. Ah là là. Coucou, j'ai vu ta danse. Ah oui, merci, Frédérico, c'est gentil. Moi, ça va super, chatounette. Comment s'est passée ta journée? Je suis la Banque Nationale de Tentacules. Ah, du coup, on peut t'en demander. Let's go, ça. Tu prêtes jusqu'à combien? Je m'occupe de tes nœuds. Merci. J'en ai beaucoup, pas. Ouais, tranquille, je suis en cup avec Sonari. Oh, let's go, amusez-vous bien. Vous me direz, vous arrivez combien à la coupe alors? Pizza, je crois, mais si tu manges, on sait pas vite. Ok. J'avoue que là, ça fait combien de temps t'attends? Parce qu'il est quand même tard pour manger, j'avoue. Moi, ma prof, elle va me faire. Attends, moi, ma prof. Ah là, elle est pas là parce qu'elle attend un bébé, mais sinon de base elle fait avec vous. Ah bah c'est cool ça en vrai. C'est cool ça en vrai. Slay. Pardon. Pas de soucis, chatounette. Franchement, vas-y, slay, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. J'avoue qu'il tout partage, non? J'ai mis un coup de tête à une fille. Oh mince, comment vous avez fait votre compte, Rom? Pendant le cours de sport. Y'a tout le chat qui est sub et moi qui ne peux pas car j'ai pas de thunes. Oh, mais t'inquiète pas, Soren. C'est pas obligé, tu sais. Et t'es quand même un petit poulpi malgré tout. N'en fais pas, Soren, c'est pas obligatoire. Pizza, pizza, pas juste pizza. Ouais, t'inquiète, j'ai capté, j'ai capté. T'as mis dans l'image vidéo, Kevin. J'ai fait de la danse cet après-midi. Oh, trop cool, Dento. Et en vrai, ça va, c'est pas non plus nul, mais c'est pas non plus le meilleur sport en EPS. Mais sinon, ça va. Bon, ça va, si c'était pas horrible, horrible, alors tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça fait 30 minutes, j'attends. Ah ouais, ça fait loin. Et bonsoir, Clément. Ça va super. Et toi, comment tu vas? Hello. Hello, hello. Les choses sont tellement bien faites. Le Chanel l'attend que toi. Exactement. Exactement. J'ai pas envie d'aller au foot demain. J'ai fait une heure de route. J'en suis sûre, on va perdre, on va m'énerver. Ah ouais. Oh, c'est loin, dis donc, c'est pour un match officiel. Ou un match amical. Moi non plus, j'ai trop le seum. Oh, mais pareil, moi, Yomé, c'est pas obligé, t'inquiète pas. Elle perd la tête, chatounette. Je suis morte. J'ai jamais compris pourquoi, en cours de sport, pourquoi on dirait que le sport choisi, c'est les pires possibles. Demi-fond, par exemple, de vous. De vous. Oh, ça, c'est tellement nul. Genre, vraiment, c'est éclataxe. C'est grave, vrai. Oh, Kevin. Mais non, Kevin, t'es trop pipou. Merci beaucoup, Kevin, merci. Merci beaucoup, Kevin, merci beaucoup pour le self-gift à Soren. Merci beaucoup, c'est archi gentil. Oh, c'est trop chaud.
Tu vas bien, t'as passé une bonne journée. Et Fortnite, c'est demain, Godzilla, si tu veux. Demain à 16h.
j'ai plus mal. C'était un défi que mon pote m'avait lancé. Ah, faut plus écouter ces défis, hein, il dit des bêtises, il dit des bêtises. Mais tant mieux si t'as pu ma matrice sonnette, tant mieux. Non, je crois pas avoir déjà goûté poulet. Je suis même pas sûre de quoi ça ressemble. Mais de nom, je crois que j'ai déjà entendu. Salut Nats, comment ça va? Tu vas bien? Hello! Coucou Meilei, comment tu vas? T'as réussi? Ça va super. Et toi? Mon garde est là, let's go! Je peux compter sur toi. Moi qui fais parfois de nuit blanche d'affilée, aïe aïe aïe. Moi ça m'arrive d'en faire, mais c'est malgré moi parce que j'arrive pas à m'endormir, genre. Je kiffe tes lives, merci beaucoup, Sereine. Moi c'est vous que je kiffe. Rarement de 6 de l'après-midi, sinon la nuit c'est impossible. Ouais, t'as raison, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Salut Nat, comment ça va? Tu vas bien? Yo Play, bébé Lotte. Hey, je t'ai vu Kirito là. Je t'ai vu, hein. Attention. C'est toi le bébé Kirito. C'est quoi ton serveur Discord? Si tu veux Ninjackson, t'as mis le lien dans le chat. Écoutez ma voix, retenez mon nom. Ouais, tu m'as envoûté en fait quand t'as dit la vérité. Dis la vérité. Je dois aller manger à toute. À toute Nat, bon appétit. N'hésite pas à laisser le petit lurk si tu peux. On se barre à la fin, du coup on a fait un grand match de la moitié de la classe contre l'autre moitié de la classe. Ils avaient tous les meilleurs joueurs et moi j'avais la pire, mais on a quand même gagné. GG Matrix. GG ça. Ça c'est la morale de Crocono Basket, genre. L'esprit d'équipe et tout, parfois ça fait la diff. Mon maximum c'était 4 quand j'étais vraiment pas bien, mais c'était pas très intelligent quand j'y pense. Et ça va mieux maintenant, Meilei. Comment tu vas, pépilote? Ça irait mieux si tu m'appelais au grand DS Poulpi. Mais à part ça, ça va super, je te remercie, Kirito. Qu'est-ce que t'as fait de moi aujourd'hui? Elle va manger le carton, Emma, Kirito, je pense. Pense à Rafou, tu vas bien, hello. Non, t'inquiète, Kevin, aujourd'hui. Mince, comment on dit déjà? Mon objectif c'est de pas me tromper. Les tensions ont une force inimaginable. Non, 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 t'as pas d'aussi. Oh, let's go Ninjax, bienvenue à toi sur le serveur Discord, ça fait super plaisir. Octo, mon petit cousin, il croit toujours au parfait des malicieux. Bah ouais, ça existe. Vous êtes des petits poulpes malicieux aussi. Je crois même qu'à un moment je devrais mettre pas content dans ton pseudo. Son pseudo il a marqué c'est ni pas bébé, je crois, pour pas qu'on dise que c'est un bébé poulpi. Et pense à Arcana, comment ça va? Tu vas bien? Hello! Hello, hello! Ouais, franchement, ça vaut la peine d'attendre pour une pizza, ça, je suis bien d'accord. Trop mignon, Yume. Non, on s'est lancé un pari avec mon pote. Si je fais des défis chaque vendredi, j'ai 100 euros. Ah ouais? Punaise, Matrixune, moi je prendrais pas le risque, hein. En plus, ils sont trop dangereux, vos paris, ce n'est point raisonnable, je trouve. Si je puis me permettre. Je crois pas qu'on est malicieux. Oh, s'il y a des petits poulpis, ils sont très malicieux. J'espère que je n'aurai jamais besoin de le faire. Non, t'inquiète. C'est ma nouvelle résolution du jour, Quentin et Kevin. Je ne me tromperai plus. Ceci appartient au passé. Voilà. Normalement c'est pas possible, 4 nuits blanches sans dormir, je l'organise comme je supporte pas sauf certains cas. Donc, l'organisme supporte pas sauf certains cas, donc j'ai sûrement fait plusieurs micro-siestes de 5 minutes sans m'en rendre compte. Ouais, genre du somnolé et tout. Deux meufs du lycée nous ont aidés pour notre chorégraphie et la prof nous a félicité. Oh, JJ Poulet, trop mignon, trop chaud ça. Vous savez ce qui est mieux de que manger une pizza? C'est manger une pizza qu'on a fait soi-même avec attention. J'avoue, j'ai jamais fait de pizza. J'avoue, toi t'en as déjà fait. Moi j'ai mangé KFC et c'était ingre. Let's go. Et vous allez me donner faim alors de base j'ai même pas faim, genre. De base j'ai pas faim. Merci beaucoup Russe, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi chez les petits poulpis, bienvenue, comment tu vas? Comment ça va? Tu vas bien? Arrêtez de parler de nourriture, de vous. De vous, de base, ça fait pas faim, vous allez me donner faim. moi, je disais que c'était pas raisonnable, Matrix René. Kevin. Kevin, viens là, faut qu'on discute là. Viens là. Kevin, regarde-moi.
gentil. Ça va l'aider à se souvenir de moi. Oh non. Oh non. Oh là là. Non, merci beaucoup, vraiment. Vraiment, merci. Ah là là. Ça y est, j'ai mal aux joues, là. J'ai déjà mal aux joues, ça fait même pas une heure. Je souris trop. J'ai volé ça, merci. Merci, merci. Kevin, il a encore glissé. Ouais, il a encore glissé. Pourtant, il n'y a plus de neige, là, c'est fini l'hiver. T'as plus d'excuses, là, t'as plus d'excuses, Kevin. C'est quoi ton excuse? Oh là là. Octo, chante mes pops en ASMR. Je me souviens même plus c'est quoi les paroles. À part miel, pops. Miam, miam, miam. C'est tout ce que je me souviens. Je crois que l'empreinte a fonctionné. Mais la reine a raison. Arrête les bêtises. Mais oui, j'ai toujours raison. Je vais bien, oui. Je vais écrire notre reine Poulpi, j'ai le rôle du clown. Mais non, comme eux-mêmes. Là, je sors d'une séance de 2 heures, 1 heure de muscu, 1 heure de cardio. Et je suis mort. J'arrive et je vois quoi en live ASMR de ma streamer. Bref, incroyable. Moi, oh, t'es trop chou. T'es trop chou. J'espère que ta séance de sport s'est bien passée. J'ai du mal à faire dodo. Ok, Paco, appelez. Nanakusa, je n'ai pas la rêve de Nanakusa. J'ai glissé Jeff, ouais, il a glissé Jeff là, Kevin. C'est grave raisonnable, je vais l'arnaquer. Oh bah non, c'est pas bien d'arnaquer. Vous voyez, j'avais dit qu'il y avait des petits poulpis malicieux, je l'avais dit. L'excuse, il fait chaud, je transpire donc je glisse. Ah, c'est ça l'excuse. J'avoue, c'est un bon argument. Oh, merci Darken pour le bisou. Kevin, qu'est-ce que tu m'as fait encore? Mais rattrapez-le, mon sang. Rattrapez-le.
Bonne soirée, Yumi, à bientôt.
Je viens de tomber sur un avis de recherche. A priori, la prime vaut le coup. La prime vaut le coup de vous. C'est marqué recherche le nez docteur. Eh, c'est pas vrai. Bah, dans ce cas, c'est moi qui l'ai trouvé parce que je l'ai déjà. Je l'ai récupéré. Octo, la plus belle des déesses de Bulby, ne m'a jamais mis de coussi-coussi. Mais flemme de demander, t'en veux un poulet? Viens là, je t'en fais un aussi. Debout le nez. Octo, l'hôpital, on a inauguré un nouveau secteur et
suppose, vu que c'est de mes couleurs, let's go légal. Donnerie ça par contre. Let's go, ça fait archi chaud. C'est trop triste pour ton jeu, ouais, c'est dommage, mais bon, il finira bien par arriver. Juste, je sais pas quand, quoi. Moi, j'ai entendu une rumeur de malade à Tsunemiko sur Fortnite. Ouais, j'ai vu ça aussi, mais en fait, j'ai trop le seum parce que bah, la rumeur, elle est apparue le 1er avril, tu vois. Et du coup, bah, forcément, je peux pas m'empêcher de me dire que c'était juste une blague. J'ai trop le seum. Ça aurait dû arriver un jour avant ou un jour après. Et j'y aurais cru, tu vois. Mais vu que c'est arrivé le 1er, j'y crois pas trop. Je confirme, ça va être vraiment d'en avoir de... avoir de quoi. Ah oui, les écrans, oui. Tu rêves de ça, Azel? Rêver de quoi? Ah oui, la collab, même moi j'aimerais trop. Un écran pour le Light Doctor et un écran pour The Fist, let's go, ça, bien vu. Pourquoi les animer? Je range de toi, ouf, pour le coup. Sur ton nez, tu peux le laisser sur ton nez, tu gueules. Et bonsoir, Aro, comment ça va, Aro? Tu vas bien? Hello. Oh là là, toi être fier de moi ou quoi? Bien sûr. Toi être autant berger que moi. L'XO, ouais, y'a moyen. Ah là là. Kevin a donné à tout le monde dans le live, je te jure. Je te jure. Attends, je suis rentrée dans ton monde et j'ai payé les enfants poulpi. Et je suis revenue dans mon monde et j'ai graillé les enfants poulpi. Oh non, les pauvres et Delico. Oh non, les pauvres, il faut manger que les poulpi-man. On l'a dit que les poulpi-man. MDR poulet, c'est mignon ça, c'est gentil pour elle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si, regarde, si je me mets de côté, Meilei, on le voit, mon nez, regarde. Tu le vois, mon nez, là. T'as vu? Tu vois, j'ai un nez, j'ai pas menti. Ça a l'air sérieux, moi, j'y crois. Ah oui, t'as dit quoi, Kirito? Trop bien, alors. Et ça va bien, et toi, moi, ça va super. Aro, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui, Aro? Car c'est un rat, t'as les étoiles. Ouais, j'ai la rêve, les animes. J'ai la rêve, j'avais même fait un TikTok dessus. Non, mais c'est un compliment pour moi, Lixo, t'inquiète, c'est un compliment. Tu le ranges, sinon je le coupe. Oh no, j'en ai besoin pour vous faire des boubtugues. Faut pas me le couper. Oui, merci encore, Kevin, de me gâter autant tous les jours. Oh, Ninjax, ça y est, tu l'as eu. Gigi, je t'aime, Ninjax. Je t'aime. Ninjax. Je... Je t'aime, Ninjax, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Ninjax, je t'aime. Je suis contente que t'aies réussi à l'avoir, toi qui le voulais tant. Tu parles de quoi, la piqûre d'abeille sur ton visage? Non, c'est pas une piqûre, c'est mon nez. Ah là là. Comment je fais pour aller manger? Pourquoi tu pourrais pas, Lixou? C'est le mot, oui c'est ça, Melee. Maintenant il y a tous les poulpis qui essayent de protéger Quentin. On essaie tous de le rattraper de sa folie. Ouais, j'ai vu sa poulet, c'est archi mignon en vrai que vous lui avez dit ça aussi. Je suis fière de vous les poulpis. Octa, attends, je vais activer quelque chose que tu connais bien. Oh, tu as mis Ah non, c'est Aro qui a mis le crépitement. Qu'est-ce que tu allais mettre alors, Lucal? Et bonjour Leina, comment ça va? Tu vas bien? Hello. Hello, hello. Je ne connais pas la suite. Le cerveau n'est pas assez développé pour le moment. Au moins, c'est honnête. Au moins. Salut Timatrix, comment ça va? Salut Emma Fleur. Salut Sesto, salut Nora, comment vous allez? Bonsoir Hugom, comment ça va? La dernière saison était Unreal. GG ça, GG Razox. Il s'est transformé en gorille géant. Pourquoi en gorille géant? Et pas en poulpe géant. De quoi, Quentin? Quoi donc? J'ai pas suivi. Non, ne glisse plus, je te tiens. On t'attrape, Kevin, on t'attrape. Oh, que t'as trop tard, j'ai activé mon Miraculous. Flûte alors, comment je vais faire? Je suis trop contente de l'avoir eu. Ah, je suis trop contente pour toi, Ninjax, c'est trop chaud. Je suis trop contente aussi. Ma débutée d'octobre à la rêve. Ah, c'est le rêve que j'ai pas. Ok, ok. Je cherchais la phrase exacte sur le
sur le site, mais c'était drôle l'échange. Après tous les poulpes, ils sont partis et ils m'ont abandonné, mais toi tu es resté poulet. Toi. Ah, c'est vrai Quentin. Mais non, c'est fou ça. C'est fou ça en vrai. Du coup j'ai déjà raté mon objectif. Oh no. Oh no. Tous les sauvages, des sauvages, mais les êtres humains, des sauvages. Ah ouais, du coup même toi tu t'es un sauvage. Ton petit nez est cute, docteur. Ah merci Mayley. Arrêtez de vous moquer du nez, docteur, sinon je vous attaque. Voilà, protège-moi Mayley. Merci beaucoup. Donc toi tu peux toujours tenter le bouffe. Oh, je suis sûre que je vais pas réussir à cause de ton armure. Vous l'avez pas rattrapé.
j'étais partie dîner, exactement. Et ça va, Michel-Angelo, comment s'est passée ta journée? Salut l'escadron, comment ça va, tu vas bien? Hello. Ouais, il a craqué qui vit tout. Oh mince, Soren, j'espère que t'as pas eu trop mal. Dis-moi tout, Frédérico. C'est bon, la mèche est finie et je prends mon temps pour qu'elle soit toute belle. Merci, poulet, c'est gentil. C'est grâce à toi que mes cheveux brillent. J'adore. Kevin, c'est Mister Bliss, les gars, mais non, dinguerie. Comment ça, canard? Trop bien la journée, c'est vrai, Angel. Est-ce que tu veux raconter? On a quand même fait des bulles. Ah bah, moi, c'est mes mains qui font des bulles.
J'ai pas tout suivi, Soren, mais t'inquiète pas, ils vont s'occuper s'il faut. T'inquiète pas, les animés, c'est normal. Ils sont en rupture pendant un temps. Mais ils vont se remettre disponibles dans quelques minutes. Il faut surveiller de temps en temps. En fait, c'est normal, il y a un petit délai à chaque fois que quelqu'un le prend. C'est pour éviter que ça spam. Ma blague était bien sinon. Ouais, ouais, c'était chouette, en vrai, c'était mignon. C'était mignon. Vas-y, viens, car c'était de l'humour. Humour. Ok, tataki. Salut Lu, comment ça va? Tu vas bien? Salut Magine, comment tu vas toi aussi? Je prends ça comme un compliment, ça veut dire que tu me connais. Ouais, je pense qu'on peut dire ça maintenant, quand même un petit peu. Au moins un petit peu. Ouais, ouais, je te connais, tu l'as cerné maintenant, Juliette. Et merci beaucoup, Angel, pour ton follow. Merci beaucoup pour ton follow, Angel, merci. Bienvenue à toi parmi les petits poulpis. Bienvenue à toi, comment ça va? Oh, merci à toi aussi, Nyo Nekosama. Bienvenue, bienvenue, comment ça va? Bienvenue parmi les petits poulpis, merci beaucoup. Bonsoir, c'est la première fois que je viens sur un autre live, mais j'adore ce que tu fais. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nyo, merci, ça me fait super plaisir. Comment ça va? Tu vas bien? Je suis super contente que tu puisses passer sur le stream alors. Je commence à me réveiller, puis j'allais me nommer bien sûr, régale-toi Lixou. J'espère que tu vas manger un truc de bon. Oh, toi, tu peux toujours tenter le boop, il y a une chance sur deux. Ah ouais, une chance sur deux. Boop. Let's go, j'ai trop de chance. Après, je cuisine quand même. J'ai juste vu que t'avais déjà fait des pizzas maison. Trop cool, moi j'ai jamais fait de pizza par exemple. Je les commande toujours. Après, elles sont tellement bonnes quand on commande que j'ai du mal à imaginer que je puisse faire mieux. En vrai. Maintenant, on peut dire tu me coco. Ouais, je pense quand même. Et salut Nono Lucas, comment ça va? Tu vas bien? Hello. Bienvenue à toi si tu es nouveau. Bienvenue chez les petits poulpis. Octo, je vais devoir y aller. Oh, bonne soirée à toi alors, Meilei. Bonne soirée à toi et merci d'être passé. Faites beau rêve si tu vas dodo. Et merci beaucoup, King. Merci beaucoup. Je suis trop, trop contente. Oh, Juliette. Approche, approche, Juliette. Je t'aime. Je t'aime, Juliette. Je t'aime. Juliette. Juliette. Je t'aime. Je t'aime, Juliette, je t'aime. Ah merci, je cuisine quand même, je fais souvent des pâtes, mais surtout, je fais souvent des plats, excuse-moi, mais surtout des pâtisseries pour le coup, mais je cuisine assez souvent vu que je fais des pizzas maison. Ouais, les pâtisseries, les gâteaux et tout, c'est cool à faire, je trouve. Moi aussi j'ai commencé par là. Bon appétit Lixonnet. J'ai hâte que la saison 2 de Call of the Night sorte vite. Moi j'ai même pas vu la saison 1. Honte à moi. Et coucou super pro, comment ça va? Tu vas bien? Emma est appelée à l'accueil. Encore Azel. Oh, encore. Tu vois, j'appelle à laisser manger sa pizza, la pauvre. La pauvre. Bon appétit, bon appétit. Et hop, Shani, bonne soirée à toi. Bonne soirée, merci d'être passé. Coucou Super Pro, tu vas bien? Comment s'est passée ta journée? Et coucou à Mangi, comment tu vas toi aussi? Hello. Hello, hello. Ok, je prépare ton examen médical hebdomadaire du vendredi. Normalement, je me porte bien. Normalement. Ouais, il est tenu par tout le chat là, mais moi je le tiens. Oh non, j'ai pas vu Tigounet, j'ai pas vu. La meilleure blague nulle du monde. Oh, moi, je suis pas douée en nombre de blagues en vrai. J'en connais pas, genre, ou je sais pas en faire. Octo la poulpe, oui, j'ai une poulpie. Je verrai la blague du vélo. Vas-y, Kirito, j'ai hâte de la lire. Hop. C'est vrai, je suis contente, Nono, si ça a l'air de te plaire alors. Je ferai de mon mieux. Let's go, poulet. Si jamais il y a des petits poulpis qui ont des questions concernant le règlement, on vous a remis le lien du règlement dans le chat si vous voulez le relire. N'hésitez pas, c'est fait pour. Et salut les Lunatsu, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Tu vas bien? Hello. Alors toi,
Je te jure, Quentin, je te jure. MDR, les animes, je la connais, celle-là. Ça change des bébés Fortnite. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est notre ambiance, là. Tu m'étonnes, les lunettes, tu m'étonnes. Mais si jamais je refais du Fortnite demain à 16h, si ça te dit. T'es puni sur le banc, oh no. Oh no. C'est parce qu'elle mange Hazel. Et merci, Enzo. Merci beaucoup, Enzo, pour ton follow. Bienvenue à toi chez les petits poules, puis comment vas-tu? Comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton follow. Et coucou Zeni, hello, comment ça va? Tu vas bien? La France, elle a marqué un but. GG. GG ça. Salut Octo, est-ce que je peux avoir un petit bisou? Bien sûr, sinon approche. Je vais te faire ton petit bisou. Et voilà pour toi. Je sais pas du tout, Tig, pourquoi. Octo, c'est Miss Univers. Voilà, maintenant je vais manger. Est-ce que c'était une blague, ça, ou pas? Merci, Lisou. Ah là là. Hop. Sois super étoile. Let's go, ça, c'est ni. Let's go. Qu'est-ce que t'as fait pour aujourd'hui? Alors, Octo, d'après ton examen, je détecte une allergie au pollen. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, malheureusement. Parce que brosse à dents. Oh bah mince, je l'ai pas compris celle-là, Tchik. Je l'ai pas compris celle-là. Mince, c'était pas une blague de la plus belle de l'univers. Oh merci, Lixou, t'es grave chaud. T'es grave chaud. Bonsoir, le Vitu. Comment ça va? Tu vas bien? Hello. GG à eux, poulet, GG à eux. Oh et merci beaucoup, my sweet. Merci beaucoup pour ton follow, my sweet. Bienvenue à toi parmi les petits poulpis, comment vas-tu? Comment vas-tu? Merci beaucoup. Merci pour ton follow. Tu sais pourquoi il fait chaud? Car tu illumines nos journées. Ah, vous êtes trop chaud. Arrêtez là, je vais rougir. Après, c'est moi qui aurai encore plus chaud. Et pour ça, dragon, comment ça va? Tu vas bien? Hello, hello, hello. C'est une blague de mon père, il y a zéro rapport, c'est pour ça. Après, c'était dans le thème, hein. Dans le thème, Lixou il avait dit une blague nulle. Moi je trouve, elles rentrent dedans. Ouais, elles sont trop fortes. Prépare-toi, tu rentres à la deuxième mi-temps. Oh punaise, oh punaise. Moi je peux aller manger, me mettre pas travailler au moment où je dois aller travailler. Je sais que vous m'aimez et que vous m'adorez, ça c'est vrai. Et du coup, vous voulez que je reste, mais j'ai faim. Vas-y, régale-toi, Lixou, régale-toi. Ça fait combien de temps que tu fais l'ASMR auto? Ouais, ça fait un moment maintenant, je pense que. J'avais commencé avant l'été dernier. J'avais commencé un petit peu, c'était pas régulier au début. Après j'ai commencé à en faire régulièrement. Après j'ai fait une pause juste avant l'été pendant un mois je crois. Et j'ai repris à fond pendant tout l'été. Du coup, ça doit faire plus un an ou plus d'un an je pense que je fais de la SMA maintenant. Je crois. Je sais pas exactement. Comment ça va? Ça va être à Benji, tu vas bien? Et je vais aller Toto. Oh bah bonne nuit à toi alors. Bonne nuit à toi les animes, faites beau rêve. Et bien sûr, Toshi approche. Bisous. Tu peux aller manger en toute sérénité. Oui. T'inquiète pas, Lixounet. Merci, Lixou. Oui, tu es une loupie et tu vis dans les eaux fraîches comparé à moi qui est chaud. Ouais, il fait très froid à Poulpiland. Mais moi j'aime bien, je préfère l'hiver. Salut à Jimmy, ça va super et toi? Bonsoir Ryan, comment vas-tu? Hello. Hop. Ah c'est vrai poulet, t'as craché sur elle. Merci en tout cas. S'il fait chaud, Octo, elles font, ouais. Complètement. J'adore la SMR, je kiffe. Oh, merci Angel. Je suis contente que ça te plaise. ça va bien, je savais pas que tu faisais de la SMR. Oui, j'en fais aussi, Benji. J'en fais le soir, à partir de 20h. Les lundis, jeudi, vendredi. Mais en vrai, les poulpies, je préjoute, donc j'y pense là tout de suite. Mais il y a moyen que je change les jours d'ASMR la semaine pro. Je suis pas encore sûre et ça se trouve, il n'y a rien qui va changer. Mais bon, dans le doute, je vous préviens, faudra être attentif au planning de la semaine prochaine.
Peut-être qu'il sera différent d'habitude, j'ai envie de tester des choses encore. Voilà. Bah, c'est terrible, Toshi, c'est terrible, bien sûr. Tu es une bébélote? Non, je suis pas une bébélote, moi. C'est louche, ça, mais non, c'est pas louche, t'inquiète. Et merci, Kuro. Merci beaucoup, Kuro, pour ton follow. Bienvenue à toi parmi les petites poulpies. Comment vas-tu? Kevin, t'as profité que je t'ai pas concentrée. T'as profité que je tourne les yeux, Kevin. Oh, je suis outrée. Oh, ça utilise des stratagèmes maintenant, je suis outrée. Oh là là. Oh, je suis outrée, Kevin. C'est comme ça maintenant. Ah ouais. Oh, merci beaucoup, Kevin. Merci. Tu dois combattre quel monstre?
sous son pseudo, hein, comme une fois je vous avais raconté d'ailleurs. C'était quand déjà? Je sais plus, mais quand je vous avais rêvé, je vous avais raconté un rêve que j'avais fait, je sais plus quand là, et j'avais rêvé que j'avais rencontré plein de poulpes IRL et tout. Dans celui-là, il n'y avait pas de pseudo par exemple, je savais pas qui était qui. Octave va se réveiller dans le vrai royaume de Poulpiland un jour. On veut des noms. Non, 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 non. C'est l'Ixou. Ah, ça. Je t'ai vu faire un clin d'œil. Bah oui, je peux faire des clins d'œil. Je peux même tirer la langue, regarde. Tu vois. Octobre, la plus belle des déesses Poulpi. Utilisée par les tentacules et les ventouses. Pour aussi me faire rire. Ouais, attention à mes ventouses. Là, je les ai utilisées pour attraper Kevin tout à l'heure. Bonsoir Trinito, comment ça va Trinito, tu vas bien? Hello, hello, hello. Non, 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 je donnerai jamais les noms. Protection anti-poop activated. Oh no, comment je vais faire maintenant? Curieux, t'as une langue mais pas de nez. Mais si j'ai un nègre. Elle a tiré la langue, comment a-t-elle osé? Et pourquoi pas? Pas sur moi, trop tard. Tu sais quoi, cette nuit, tous les deux, on va penser à Octo et faire en sorte qu'on soit tous les trois dans le même rêve. Par contre, en vrai, premier degré, je sais comment faire pour choisir d'avance de quoi je veux rêver. Si vous voulez, je vous donne l'astuce, si vous voulez essayer de vous glisser dans mes rêves là. Mais c'est super simple, en fait, il suffit que juste avant de dormir. Enfin, c'est pas si simple pour vous finalement, mais techniquement c'est possible. Juste avant de dormir, la dernière chose que je vais te faire... Que je vais faire en fait, il y a de grandes chances que j'en rêve. Genre la dernière fois où j'ai rêvé de Squeezie, sûrement que... Ah ben oui, je sais pourquoi, c'est parce que j'écoutais ses musiques. J'ai écouté ses musiques avant de dormir. Et du coup, bah j'ai dû rêver de Squeezie. Et je sais que ça me le fait avec tout. Genre si je regarde une série juste avant de dormir, je vais rêver de la série. Ou des trucs comme ça, tu vois. Si j'ai une conversation avec quelqu'un sur Discord, bah juste avant de dormir, je vais rêver de la conversation. Ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais faire des rêves lucides? Oui et non. J'en ai déjà fait. Mais ça m'intéresse plus d'en refaire, donc j'essaye pas spécialement. Octo, tu es de type haut et fée. Vu que pour ton côté cute et mignon. Ah merci les gars, t'es grave chou. En vrai, ouais, si j'étais un Pokémon, j'aimerais bien avoir ces catégories-là. Coucou Mas Maxio, comment ça va? Tu vas bien? Hello. Coucou, j'ai loupé quoi, Octo? Là, on parlait un petit peu des rêves et tout. Hello Arcadia, bonsoir. Comment ça va? Tu vas bien? Hello. Vous êtes des surhumains tous en fait, avant. En vrai, il y a des techniques pour en faire, tu sais. C'est quoi des rêves lucides? Un rêve lucide, c'est le fait de... Pendant ton rêve, genre t'es en train de dormir et tout. Et dans ton rêve, dans ta tête, tu prends conscience que t'es en train de rêver. Et du coup, bah tu sais que t'es en train de rêver. Mais t'es quand même en train de dormir, tu vois. Et du coup, bah, tu peux faire ce que tu veux dans ton rêve, vu que tu es conscient. Et en vrai, c'est stylé, c'est cool. Tu rêves de nos conversations? Ouais, ça m'arrive, ouais. Mon dieu, mais pour faire des rêves prémédités, ou je sais plus le nom, faut parler de ce que tu veux rêver. Ouais, j'avoue. Je colle maintenant, et je me colle à toi. Vas-y, viens, poulet, viens là. Moi, si j'ai du son à côté, mon rêve s'adapte. Ah, c'est vrai. Genre si par exemple t'entends un bruit de sonnerie, tu vas l'entendre dans ton rêve, c'est ça? Oh, j'aimerais tellement l'égal, je rêve de ça. Vraiment, j'en rêve. Non, je suis pas sûre que ce soit ça qui rit tout. On fait comment? Moi, les astuces que j'avais utilisées pour faire un rêve lucide. Bah déjà, la première astuce qui est super et que vous êtes tous en train de faire en ce moment, c'est le fait d'en parler. Le fait d'en parler, votre cerveau, il va commencer, enfin, en tout cas d'en parler souvent ou avant de dormir, votre cerveau, il va considérer ça comme quelque chose d'important. Donc c'est cool. Donc déjà, en parler, c'est un bon point. La deuxième astuce, là, c'est plutôt à le faire tout au long de la journée. Et moi, c'est ça qui a marché pour moi. C'est le fait de regarder mes mains, genre, tout le temps dans la journée, toutes les... Bon, j'abuse, mais dès que tu peux, genre, limite, si tu peux le faire toutes les 30 minutes, tu le fais. C'est regarder tes mains et compter tes doigts. Genre, tu regardes tes mains, tu comptes tes doigts des deux côtés et tout, tu vois. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que quand t'es dans un rêve, en général, il y a des choses qui sont mal reproduites. Et surtout des choses qui ont des détails comme les mains, tu vois. Et si tu le fais tout le temps dans la journée, et bah dans tes rêves, tu vas le faire aussi. Et moi, une fois, je
Et le dernier point que j'avais fait, c'est quand je me réveille le matin, avant même de prendre mon téléphone ou quoi, le premier réflexe, avant même d'ouvrir les yeux, c'est d'essayer de te souvenir de ton rêve et de noter dans un cahier de quoi tu as rêvé avec le plus de détails possible. Comme ça, ton cerveau, il va apprendre à se rappeler de ses rêves et à considérer que se rappeler de ses rêves, c'est quelque chose d'important. Parce que ce serait dommage de faire un rêve lucide, mais de pas t'en rappeler le matin. En gros, voilà, c'était les trois astuces que moi je faisais le plus. Je crois qu'on a compris ton objectif ici. Ouais, je crois qu'on a tous compris. Coucou, Oko, partagez tes connaissances. Ah ouais, vas-y, dis-nous tout. Et pense à me le dire, comment ça va, tu vas bien? La technique des mains, elle marche super. Ah, tu l'avais fait aussi. Regardez l'heure. Moi, regarder l'heure, ça marchait pas trop parce que, étrangement, j'arrive vraiment à lire l'heure dans les rêves, je sais pas pourquoi. Garder un journal, on écrit tous nos rêves. Ouais, j'avais fait pareil. Même si on a peu de souvenirs et ça habituera notre mémoire, let's go. Ça me rassure, ça veut dire que j'ai pas dit de bêtises. Merci, Mélodie. T'en fais souvent dans tes rêves lucides, du coup. C'est vraiment possible, petit chanceux. Bah oui, bien sûr. Je vais parler de rêves lucides toutes les secondes. Salut Vince, comment ça va? Tu vas bien? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quang quang, on n'est pas des petits canards ici, voyons. Ici, faut dire bloup bloup. On est des petits poulpis. I love you. Merci, toi aussi, t'es trop chou. Viens là, je te fais un bisou.
marcher. Ah, tu penses? Faut y croire pour que ça marche, faut y croire. Ah, c'est vrai, Lucas, elle sait bien, en vrai, tant mieux. Tant mieux que tu puisses en voir un, alors. Et bonjour, Choco, comment ça va? Tu vas bien? Bonsoir, Jérôme. Et wesh, Coco, comment ça va? Bonsoir, Natasha. Je suppose que oui.
sur Fortnite car on est samedi. Du coup, rendez-vous à 16h. Je vais acheter une peluche Poulpi pour penser que à toi qui veille sur mon sommeil. Oh, c'est tellement mignon. C'est tellement Choustrine et tout. Tu sais que même moi j'ai plein de petites peluches Poulpi et pour moi c'est vous. Mes petites peluches, c'est vous. Faudrait que je vous fasse une photo de toutes mes peluches Poulpi que j'ai maintenant. Je dirais Twitch. Twitch, c'est cool. Tu es grande, donc je n'arrive pas à te laisser sur mes genoux. Bah alors viens la poulet, c'est toi que je vais mettre sur mes genoux. Regarde, hop là. Et voilà, t'es sur mes genoux maintenant. Allez, je te remonte. Hop. Bon sang, j'ai étudié le français à l'école primaire, puis je suis passée à l'anglais et finalement, je ne connais ni l'un ni l'autre. Mais quelle belle langue, bon ça va là. Du coup, tu parles français ou tu comprends pas ce que je dis? En tout cas, désolée si tu comprends pas très bien parce que je parle que anglais, j'allais dire je suis ouf. Je parle que français. I speak only French, I'm sorry, Bala, but hello. Tu peux me prendre dans tes bras, princesse Poulpi, s'il te plaît. Bien sûr, Darken. Bien sûr. J'ai eu le pass sur Brawl Stars et 2800 V-Bucks. Oh, tu te mets trop bien, Matrixounet, c'est trop cool. Ensuite, je vais me prendre le DLC Animal Crossing et je sais pas encore. Oh, trop cool, trop bien. Tu vas t'éclater. J'écoute le stream, désolée, je suis trop dans l'ombre. T'esquisse pas Darken, y'a pas de soucis. T'es libre de profiter du stream comme tu le souhaites. Y'a rien d'obligé, t'en fais pas. Moi déjà, savoir que tu es là, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Je ne pense pas que ce soit pour rien, Maz. Mais si jamais on peut te redonner le lien du règlement si tu veux relire. Bien sûr, Quentin, tu parles que allemand, bien sûr. J'ai entendu dire que tu as répondu à quelque chose, mais je n'ai rien compris. Ok, Paladio. Genre, je compte 1 à 10 sur mes mains. Ouais, voilà, c'est ça, poulet. Et tu regardes tes doigts et tout. Quand tu parles anglais, tu me dis de rire. Oh, c'est la honte, mon accent est si nul. Coucou, c'est moi, désolé. Ah, pas de soucis, Kirito, c'était toi alors. Ok, ok. Bah, dans ce cas, oui, c'était une erreur, Maz Maxio, excuse-nous. Excuse-nous. Cette télé, oui, les télés, tu les aimes vraiment pas. Comment ça, cette télé? Qui a cette télé? Ça fait beaucoup là, non? Cap de lui demander calmement pour voir si elle le fait. Tu veux voir quoi, Kevin? Et bonsoir, Eli Julito. Comment ça va? Tu vas bien? Hello. Oh, apparemment, Kevin est derrière toi et il faut que tu le montres. Non, je le garde pour moi, caché. Rien que pour moi. Ça m'a manqué de faire partie des Poulpi Premium. Oh, je suis contente, Sangoku, alors. Je suis en train de faire le donjon pour boire cœur. Je pensais que ce serait plus simple. Je suis pas encore assez haut niveau pour t'aider, malheureusement, Larza. Enfin, je pense pas. Coucou, Octo. Je suis pas souvent dans des lives en ce moment, mais là, je vais rester. Ah, oh, coucou, Tito. Bon retour à toi, ça fait plaisir. Comment tu vas? Donc, tu te sens mieux, c'est le principal. Oui, c'est clair. Eh non, pas pour les poupoulets, c'est de la triche. Tu peux nous faire des bisous. Bien sûr, après, je vais te faire des bisous. Bisous. Oh, toi, t'es un peu yandere sur les bords. Comment ça? Il faut excuser les erreurs de... C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, désolé, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait encore? La vie n'est pas simple, mais bon, j'essaie de voir le côté positif. Il faut, oui. Je ne peux plus voir de petits depuis quelques temps, donc le plus dur, c'est de pouvoir parler à personne en vrai. Oh, Quentin. Bon courage à toi, alors, Quentin. Je sais pas si la petite commande courage peut t'aider, mais dans le doute, on peut te la mettre aussi, Quentin. Bon courage à toi en tout cas. J'espère que tu pourras bientôt de nouveau alors. Je tiens au sport en fin de cours.
j'ai craqué mentalement et émotionnellement parce qu'on a rejeté la faute sur moi à main sur dos. T'as pu en parler à ton professeur alors ou quelqu'un? Ah, c'est vrai, on a pu te le mettre. Let's go, El Julito. J'écoute ton stream et j'écoute de la musique chinoise aussi. Oh, je sais pas si j'en ai déjà écouté Darken. Je pense pas en vrai. Et Relix Une, bon retour, t'as bien mangé? Merci poulet, c'est gentil. C'est bien toutes les bêtises qu'on avait, on peut dire que sur toi elle comprend pas. Eh, c'est pas juste. Mais moi je vous crois si vous me dites que j'ai fait une bêtise. Faut pas abuser de ma confiance, grrr. Sinon je grogne. Merci beaucoup Octo, heureusement j'ai une famille qui me soutient, let's go. Et je ne me fais parler à personne depuis quelques temps, mais c'est déjà ça. Ok, ok, content. Y'a ta famille Poulpi aussi, ok. C'est plus Octolat, mais Octocute. Oh, t'es chaud. Est-ce que j'ai une petite bouboule qui fait un bruit de frottement aussi? Attends, peut-être celle-là. C'est pas vraiment la même chose. Et celle-là, ça fait quoi? C'est pas vraiment ça non plus, mais elle est pas mal. Je vais garder celle-là. Ça poulet, je sais faire les boobs avec plaisir. Avec plaisir. C'est ça, je me dis toujours que t'es meilleur jour matin. Oui, exactement. Je préfère me dire ça, sinon je n'aurai plus d'espoir pour continuer. Puis c'est ce qu'il faut se dire, Quentin, complètement. T'as complètement raison. Bravo à toi. Non mais quand c'est vrai, non mais quand c'est pas vrai, je le fais comprendre, je le dis, t'inquiète. Il faut d'accord. Oui, je sais que toi, et j'en suis si reconnaissant d'avoir une place ici. Tu vas, Inga.
Merci.
de 15 mètres. Oh, pardon, Sirta, je voulais pas te faire peur. Je suis même bien gentille à tes côtés. Oui, tu es très gentille, ça je confirme. Ah, merci Juliette pour les frottements. Ouais, je crois que là ça va, hein, Kevin. Je crois que ça va, les cadeaux, merci. Hein. Ouais, bien sûr, Frédéric, bien sûr. Tu peux t'en servir de peluche si tu veux. C'est vrai que ce serait dommage, Lixou. J'ai encore plein de choses de prévues. Salut Jodey, ça va super et toi tu vas bien? Hello. Je dors derrière toi. Je te prête exceptionnellement mon Miraculous pour me protéger. Merci les gars, c'est gentil. J'en ferai bon usage, promis. Bah ouais, flemme, c'est pas cool. Comme on dit, c'est pas gentil d'être méchant. Tu le vois déjà, ma mouette. C'est le 22 septembre. Oh, ok, Kevin, ça va, y a encore un petit peu de temps alors. Et c'est quoi ton signe astro, Kevin, du coup? En septembre, c'est quoi? C'est Sagittaire, non? Non, pas du tout. Je sais plus. Oh, je suis désolée, El Yolito. Et salut Asuka, comment ça va? Tu vas bien? Oh, coucou Shatsu et GG pour ta 7ème série. GG ça, comment ça va? Tu vas bien? On dit que c'est pas méchant d'être gentil. Bah ouais, mais nous on veut être gentil ici. D'ailleurs, pour l'examen, tu du Yokto, tu as réussi d'office, vu que tu es la reine des poupies. Je t'envoie par la poste. Let's go, je suis trop forte en bête. Ah là là. Oh, c'est chaud, Quentin, c'est chaud, Kevin, merci. Mon anniv, c'est bientôt, c'est le 1er mai. Oh, là, vous, c'est bientôt, Jodey. C'est Vierge et Balance en septembre. Oh, ok, ok. Ok, ok, Kevin. J'aime bien demander. Ah, je sais pas, ma moi, je sais pas, là, déjà, j'ai glow up en janvier. C'est déjà pas mal, non? Tu as vu, j'ai mis Poupil en premier et Paris en deuxième. Oh, merci, poulet, ça fait plaisir. Et ça va, et toi? Moi, ça va super, Asuka. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Moi, mon anniversaire, c'est le 4 juillet. Oh, c'est bientôt aussi, alors. Mais c'est pareil, non, poulet, je crois. Je pourrais avoir un bisou. J'ai mal au bras gauche. Oh, bien sûr, Jodey, viens là. Je vais te faire un bisou. Et voilà. Frottement au clavier. Les deux ans coulent. En vrai, les deux ans coulent. Oh, que toi, ma petite sœur, elle est poisson comme toi. Oh, c'est trop chaud, ça. Ouais, je t'ai eu. Ça, c'était mal les yeux poulet, je reconnais. Ah ouais, tu vas tryhard pour l'avoir, flocon. Je croyais que t'avais oublié. Non, j'ai retenu, j'ai retenu. C'est bien, Octo, tu n'as pas confondu nos pseudos. Merci, t'as vu, je progresse. Je progresse, let's go. Boulot et siesté, un peu la routine ennuyeuse de base. Oh mince alors. J'espère que t'es pas trop fatigué. Après, si t'avais une sieste, je suppose que ça va. Mais j'espère que t'arriveras à dormir ce soir quand même. Octo, je vais me rename. C'est ni le tractopelle PLP. Moi, tant qu'il y a PLP dedans et c'est ni pour te reconnaître, c'est bon. Hein. Moi, ça me va. Poulpi, c'est le nom de la peluche qui garde l'entrée de mon appart. Oh, c'est vrai. Ah, mais c'est trop mignon. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est moi qui garde ton appart? T'inquiète, ils seront en sûreté. Comment ça va? Tu vas bien? Octo, je vise le rang de diamant sur Fortnite. Let's go, j'espère que tu l'auras. Moi, je suis malicieuse. Moi, flemme de m'empoisonner car j'ai une famille, des amis que j'aime et qui comptent beaucoup pour moi. Je vais continuer à profiter d'eux et flemme de les rendre tristes. Je veux les rendre fiers. Puis donc, t'en fais partie des personnes que j'aime beaucoup. Let's go. J'ai pas envie de leur faire du mal alors que j'ai toujours été droit et juste reprendre la joie et de la bonne humeur. Ça te va comme justification? Moi, ça me va, je te crois. Les penseurs de coma. Hello. Hello, hello. Merci beaucoup pour les friandises de coma. Comment ça va? Tu vas bien? Hello. Tractopelle. Je crois qu'ils ont tous voté pour Tractopelle. En vrai, même moi, j'aurais voté Tractopelle. Salut Aaron, comment ça va? Tu vas bien? Hello. Tu vendais tout au Octo, comme ça je pourrais te serrer quand je passe une mauvaise journée. Oh, j'aimerais tellement Flocon, vraiment, j'adorerais. Peut-être un jour, en tout cas, j'essaierai, mais j'adorerais. C'est vrai, légal. Aïe, c'est pique-le. Comment ça va? Tu vas bien? Octo, tes fraises seront pas
myrtille. En vrai, juste reste framboise parce que j'aime pas la myrtille. C'est si bon, je suis contente que ça te plaise, Andrew. Comment ça, Quentin? Comment ça, mon rêve? Y'a Dizzy, comment ça va? Tu vas bien? Hello, comment tu vas, Dizzy? Les fraises framboises et les poulpies, voilà, c'est mieux comme ça. Je te remercie. Je te remercie. Et toi? Moi, ça va super, merci. Merci pour tes attentions, toujours aussi adorables. C'est moi qui te remercie, t'as comment de penser à moi tout le temps. Je suis avec mon coloc tout rond et qui te regarde avec curiosité. Oh, c'est trop bibou. Tu crois que je peux lui faire un pas de patte de coma? Est-ce que c'est un coloc qui miaule? Tu n'aimes pas la myrtille? Donc tu n'aimes pas le mabino myrtille? Ta nation? Ouais, non, j'aime pas la myrtille. J'aime pas trop ça. On est d'accord que c'est la petite poupoule bleue, la myrtille, hein, parce que je suis pas sûre. Mais si c'est ça, ouais, non, j'aime pas trop. Pourquoi t'aimes pas la myrtille? Je sais pas du tout. Après, c'est peut-être parce que j'en mange pas souvent, donc peut-être que je suis pas habituée, tu sais. Et du coup, à chaque fois que j'en mange, ça me perturbe. Mais ouais, non, j'aime pas. Tu as un code créateur sur Fortnite? Oui, j'ai un code créateur. Code créateur Octolateur Fortnite, comme mon pseudo, tout pareil. Et merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent, merci. Merci beaucoup. Octo, je t'ai fait deux bisous en plus. Alors, je suis malicieux. Oui, tu es très malicieux. J'ai skin, t'es dans la sauce, mec. Ah ouais, ça skin carrément. Oh là là. Oh là là. C'est comme buter sur un rocher en plein voyage au milieu de l'océan pendant que la lune fait un tour sur elle-même mais que le soleil réchauffe la marée. Ouais, c'est précis, donc. Tu comprends. Ne me la fais pas à moi. Je crois qu'il a compris, là. Si je vois quelque chose qui ressemble à Octo dans la vie, je vais surtout commencer à me demander s'il faut pas que j'arrête de consommer ces petits champignons multicolores que mon copain me donne. Comment ça, des petits champignons et multicolores en plus? Faut se méfier quand il y a plein de couleurs, en général c'est louche. Oh là là, poulet, tu veux que je perde, donc? Ah bah pour ça, c'est ni, il faudra prendre le point de chaîne, mais tu l'as déjà eu. Tu l'as déjà eu parce que t'es trop rapide en fait. Trop vaste. Moi j'ai mis ton code créateur. Oh merci beaucoup Frédérico, merci. Vraiment merci. MDR Flocon, j'espère que tu l'auras, je te le souhaite en tout cas. Quentin, juste si j'entends sa voix, ça me retourne direct et je vais vers elle lui demander une photo. Malheureusement Kevin, je te cache pas que je sors pas beaucoup, donc y'a peu de chances que ça arrive. Tu peux, oui, c'est un petit chat, il aime tout le monde. Alors si tu lui fais des pat-pat, il va en renaître tout fort. Oh c'est trop chou, Tokuma. Est-ce que t'as déjà mis une photo de ton petit chat sur le Discord ou pas? Faut se méfier des arcs-en-ciel. Non, eux au contraire, c'est les seuls où faut y aller. En bas, y'a des chaudrons avec plein de pièces. Ça, c'est cool. Si je suis dans la sauce curry, je dis pas non. Bravo pour avoir cherché une métaphore aussi compliquée, mais n'oublie pas, mes dossiers sont pleins, je ne parle plus de poisson ici. Oh, c'est joli tout ce que j'y lis. C'est pas joli tout ce que j'y lis. Non, je pense que tu peux aller les jeter, les brûler en vrai, les dossiers, quand t'en t'inquiète. Et pense à Blue Gamer, comment ça va, tu vas bien? Hello. Donc t'as un lit à boule pilante, il est confortable. Tu utilises quoi pour rendre ton lit tout moelleux? C'est à force de dormir dedans, ça la rend tout moelleux. Merci poulet, t'es chaud. Et ça va super, et toi, Blue Gamer, comment s'est passée ta journée? Ça va super, et toi? Ouais, je l'ai enlevé celui-là, c'est niche, désolée. Je trouverai d'autres idées pour le remplacer. Ça va tranquille, let's go, Blue. Qu'est-ce que t'as fait de pas aujourd'hui? Les jeter, bien sûr, quand j'aurai utilisé leur contenu. Il faut faire disparaître l'épreuve. Ah ouais, c'est comme ça. Non, je n'y ai pas pensé. Oui, il faut que je t'envoie la photo des bonbons poulpes aussi. Oh, oui, s'il te plaît. Mais les bonbons, ils ont tous disparu. Oh mince. Je me demande bien où est-ce qu'ils ont fini, ceux-là. J'ai ma petite idée sur la question. On parle de poisson, car comme ça, on dit les petits poissons nagent aussi bien que les gros. Oui. Vu que tu as la magie du sourire, tu as déjà réussi à toucher un arc-en-ciel. Non, j'ai jamais essayé, donc non. Octo, elle est fâchée contre moi car je lui ai dit que je l'aimais pas. Mais non, t'inquiète pas, poulet, je sais que tu rigolais. T'inquiète pas. Tu as déjà tout pardonné. Elle me ferait trop de la peine d'être petite et je voudrais.
Ce sera le jour où j'aurai la
à ton Miraculous, est-ce que ça te remonterait le moral? Bonne nuit, Kevin. Salut, Maë, comment ça va? Ouais, ce serait compliqué, Quentin, ce serait compliqué. Oui, et toi, moi ça va, Maë, je te remercie, qu'est-ce que t'as fait de moi, gentil. Ah, t'inquiète pas, Tito, t'inquiète pas. Tant que moi tu m'aimes, c'est bon. Pour le moment, t'es la seule safe place dans ma vie, man. Bien, j'en suis honorée. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi chez les petits poulpis, comment tu vas?
je vais pouvoir regarder tes lives. Let's go, Céane. Bonnes vacances. T'as prévu quoi pour tes vacances? Dis-moi tout. Bon, t'as encore le temps, Lixou. T'as encore large le temps. Demain, 1 heure de nage, ça va pour demain. Ah oui, demain, c'est plus léger, ça va. Entendu ma réponse peut-être, est-ce que tu veux que je répète? Dis-moi tout. Dis-moi. Tuto pour être Bulbi, il faut suivre Octo. Voilà, fin du tuto. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Ah, Trinitsu. Je t'aime, Trinitsu. Trinitsu, je t'aime. Je t'aime, Trinitsu. Je t'aime. Je t'aime, Trinitsu, je t'aime. Boop. T'as un bonus, le petit boop. Ça va venir, Quentin, ça va venir. C'est que c'était pas le moment, c'est tout. Elle t'attend aussi, Quentin, elle t'attend aussi. Let's go, Philo. Oh mince alors, peut-être le prochain. Mon cercle d'amis est très restreint. Oh, j'ai pas vu la suite. Si j'ai pas fait exprès. Ah, pas de soucis du tout. Hola, comment c'est Yaman? Hola, I'm sorry, I speak only French. I'm sorry. Tuto pour ne pas manger, pensez à une pizza et manger une pizza. Voilà. Voilà, du coup, il faut manger. Je vais avoir une vie de famille et des enfants. Oh, c'est adorable, Lixou, que tu penses déjà à tout ça. C'est trop chou, tu veux combien d'enfants, Lixou? Je vois ça comme une bonne chose, perso. Avoir peu de personnes, mais qui restent et qui sont flables. Ouais, carrément, Quentin, carrément. Let's go, les poupes. Ah, le recul, je l'ai maintenant. C'est la blague de Lixou, ouais. En plus, je dois aller me coucher. Oh, Pavlo, compagnie à toi, alors. T'inquiète pas, j'en reverrai la semaine prochaine. La SMR, tu connais maintenant. T'inquiète. Octo, c'est dans quel canal que je dois mettre la photo du coloc avec les bonbons de poulpe? Alors pour le coloc, tu peux le mettre dans le salon animaux. Et pour les bonbons, tu peux le mettre dans le salon images et vidéos. Bah oui, c'est ça, et t'attends aussi. Exactement, Quentin, je pense tout comme ça. Je t'ai vu parce qu'il y a les tentacules qui dépassent. Oups, je les cacherai la prochaine fois. Ah là là. Il a dit comment tu t'appelles, il faut que tu te dises. Yama Octolette. Je lance une partie de requête avec ton live à côté. Impossible de perdre. Let's go. Let's go, grand gars. Tu me diras dès que tu gagnes. Tu veux de la 2v2 ou de la 3v3? Tu veux 3 enfants maximum. Ok. Non, mais mon tuto, c'est pour plus me manger. Ah, pour plus te manger, toi. Ok, ok. Tellement aussi. Même si je trouve que le monde semble tellement mauvais que je sais pas vraiment maintenant. Ah, pour avoir des enfants, Quentin. Ouais, c'est vrai, Flo, quand il mérite, ça, je suis complètement d'accord. je n'ai pas encore prévu grand-chose, mais je vais essayer de m'améliorer sur le dessin. Oh, c'est vrai, Océane, j'ai dessiné toute la journée, en plus, aujourd'hui. Tu veux quoi comme animal, Lixou? Je sais pas du tout, Philo, je prévois jamais en avance. Je vais au feeling. Ça fait plaisir de savoir que quelqu'un ressent les mêmes choses que moi. J'ai jamais l'occasion de parler de ce genre de choses. Oh, je suis trop contente que vous ayez croisé votre route. Si jamais il y a des petits poulpes qui veulent discuter de tout et de rien et parfois de faire de belles rencontres comme ça. Alors bien sûr, il y a les streams et merci d'être là d'ailleurs. Ça me fait trop plaisir. Mais sachez pour quand je ne suis pas en stream qu'on a aussi un serveur Discord. Il a mis le lien direct, il savait où je voulais revenir. On vous a mis le lien du Discord dans le chat. Comme ça, même quand je suis pas en stream, vous pouvez discuter entre vous les poulpes si ça vous dit. Ou avec moi, parfois je passe aussi dessus. Et coucou Rokan, comment ça va? Tu vas bien? Hello! Je veux un petit chien et un petit chat tout poilu et tout tout. Oh, c'est trop chaud! La race de chien que je trouve la plus mignonne, c'est les petits poméraniens, là, les petits loulous de Poméranie. Je les trouve trop mignons. Ils sont petits et ils ont plein de poils, peut-être que ça devrait te plaire. Par contre, pour la race de chat que j'aime le plus, j'arrive pas à me décider encore. Je sais pas lequel je prendrais. Effectivement, ça semble tellement dur de trouver la bonne personne. Moi, j'ai l'impression que ce genre de choses n'intéresse plus personne. Je pense que si, mais que certains...
certains doivent être trop timides pour oser en parler, tu vois. Il y en a beaucoup qui préfèrent garder une coquille autour d'eux et faire style que ça les intéresse pas, tu vois ce que je veux dire, pour se protéger, je pense. Mais en vrai, je pense qu'au fond, si. Mais c'est mon avis. Impossible, Flocon. Si tu penses que c'est moi dans la rue, bah c'est pas moi, parce que je sors pas, donc... ça veut dire que c'est pas moi. Bah oui, regarde, ça marche, on veut plus me manger. Let's go, poulet, GG. Tape là, check, check. Exactement, l'XO. Une petite perle. Qui viendra de l'océan aussi. Ça se trouve, ce sera une poulpe, qui sait. Ce serait trop mignon. Moi, la race de chien que j'aime, c'est... J'avoue, j'ai tendu la perche, c'est parce que c'est toi que je pardonne. Au secours. Un jour nous trouverons et elle nous trouvera. Voilà, c'est ça. Non, c'est rarement Flocon, j'aime pas trop. Un jour, avec ma femme et mes enfants, nous serons dehors en été, en train de faire un barbecue avec des amis, en train de rire avec un beau coucher de soleil. On profitera et nous parlerons de tout et rien et nous serons heureux. Ça, c'est le bonheur. Absolu, c'est trop chou. C'est trop chou. Cousi, 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 cousi. Cousi, 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 cousi. Cousi, 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 cousi. C'est trop trop chou. Je suis d'accord avec toi, très certainement que beaucoup de personnes sont timides, et je suis aussi d'ailleurs. Mais j'ai pas l'impression que les relations soient favorisées aujourd'hui. Ouf, tu m'as pardonné. Franchement, Flocon, c'est juste un choix parce que je suis grave casanière, c'est tout. Merci Blue pour les coussis. Octo, ta réponse dépend d'une vie. Hein? Attention, Evoli ou Pikachu. Ah, désolé, je sais que y en a qui ont des avis très tranchés sur la question, mais moi je suis team Evoli fois 1000 ans. Désolé pour Pikachu, mais à part la voix qu'il prend, pour dire Pikachu. Je le trouve pas si mignon que ça, Pikachu. Genre, déjà, j'ai rien contre le jaune, mais c'est pas ma couleur préférée. Tandis que Evoli, il a l'air tout doux déjà, donc ça c'est un bon point. Et en plus, il a une évolution qui est rose, donc le choix il est vite fait. Hein. Le choix il est vite fait. Ah, Blue, tu peux si tu veux, viens là. Bien sûr, poulet, je sais que c'était toi, t'inquiète pas. Oh, c'est trop joli, tout. Moi je suis team Evoli, foi. Bah ouais, pareil, Flocon. Après, autant partir du postulat que tu es coquette, je connais pas ce mot. Comme ça, t'attends juste rire et tu vis ta vie sans te prendre la tête. Toi, t'es plutôt dans ce mood-là, Aska. Ça sert à rien de chercher quelque chose aujourd'hui. Il y aura toujours des soucis et personne pour détruire tes propres idéaux. Ouais, mais ça marche à l'inverse en vrai. Autant il y a de personnes qui peuvent penser l'inverse, autant il y en a qui peuvent penser comme toi, Aska, et t'encourager dans tes projets. En vrai, je te souhaite de faire les bonnes rencontres dans ce cas à partir de maintenant, Aska. Et des bisous, Tito. Bonne nuit à toi. Moi, je préfère Carapuce. Ah ouais, mais là, il était pas dans la sélection. Pikachu est mignon. Ça va, mais il est pas plus mignon que Evoli, genre. En vrai. Evoli, ça rime avec Poulpi en plus. Mais oui, exactement, Philo, exactement. Don't trash talk, Pikachu. I'm sorry. Je suppose que Coquette va dire qu'il faut croire que tout est foutu. Ah ouais. Bah, nature, je crois pas cela. Ouais, dans moi non plus. Il y en a beaucoup qui vont me détester, mais mon évolution préférée de Evoli, c'est Nymphalie. Bah, non, moi aussi, je kiffe Flocon. Pourquoi on te détesterait? Chacun ses goûts, après tout, c'est subjectif. On peut pas te détester pour ça. Avec les enfants en train de jouer, le rêve, et ton enfant t'appelle et il dit: Papa, regarde ce que j'ai fait. Ça, c'est quand ton enfant il te dira l'XO: Papa, regarde, j'ai fait un dessin de Dragon Ball, et toi, tu seras si fier de lui. Vous êtes tous team Evoli. Ah, let's go, on pense tous pareil. Ah, et merci beaucoup, Vin, pour ton follow. Merci beaucoup, Vin, bienvenue à toi parmi les petits poulpis, comment tu vas? Bienvenue, merci beaucoup. C'est une expression pour dire que je t'aime plus. Plus, en mode plus ou en mode plus. Bah ouais, elle est trop mignonne, Fly Monster, moi j'aime trop. Je l'ai dans mon équipe. Et un autre enfant que tu portes dans tes bras et l'autre en train de dormir. Et ma plus belle femme, let's go. Comment elle s'appelle déjà ta waifu, mince? J'ai oublié le nom. Miku Nakano.
car je suis tout seul et je m'ennuie. Oh, Caleb, je suis désolée, ce soir je pourrais pas. Mais si tu veux, demain, je fais du Fortnite. Alors, bon ASMR, par contre, à partir de 16h, je ferai des bébés pour jouer avec vous. Mimiki, je sais pas c'est qui, Trinitsu. Je connais pas ce Pokémon. Grâce à la octopuissance, j'ai gagné 3-1 sur Rocket. Let's go, j'ai à toi. J'ai pas de waifu. Ah ouais, c'était pas ta waifu, Miku Nagano. C'est juste le perso d'anime que je préfère. Ah ok, je pensais que c'était ta waifu. Je pars dans le sens où les rencontres que tu fais sur ce plan se conditionnent ton expérience. Il y a tellement peu de probas de trouver ce qu'il faut, que ça tienne sur le long terme, etc. Oh, je sais pas en vrai. Hein. Je suis pas sûre. Je sais pas c'est quoi la stat, mais il y a énormément de gens pour qui ça a tenu extrêmement longtemps, non? Je crois. Pikachu, c'est mon préféré des Digimon. Oh là là. Oh là là, comment se faire détester. Non, en vrai, c'était chouette. Je crois que j'avais déjà vu un peu Digimon. Dans mes souvenirs, c'était pas si nul, genre. Je m'en souviens pas trop, mais je crois que j'avais déjà vu. Toi, Siri, bonne soirée. Et bonsoir, si. Comment tu vas? Ça va bien? Hello. Octo, tu as cassé mon petit cœur depuis que je suis petit Pikachu, c'est mon poké préféré. Je t'ai peluché des posters de lui. Oh, je suis désolée. Après, on m'a demandé ce que je préférais. Alors, ça veut pas dire Pikachu est nul, bien sûr. Pas du tout. C'est juste que moi, je préfère Evoli. C'est quoi une waifu? Comment définir une waifu? Une waifu, c'est un personnage, en général, qui vient d'un animé ou d'un manga. Mais pas forcément en vrai, le terme maintenant, on l'utilise un peu pour tout. Avec qui tu pourrais te projeter en tant que future potentielle épouse. Mais fictif, bien sûr, hein, c'est pour rigoler. Perso, ma waifu, je suis fidèle depuis 2 ans. Oh, let's go to day, c'est qui ta waifu? Moi, on connaît, c'est Asuna. Ouais, genre, Kirito, sa waifu, c'est Asuna, tu vois. Beaucoup de gens restent longtemps ensemble, mais c'est vrai que les séparations sont de plus en plus récurrentes. Ouais, aussi. Mais parce qu'avant, ils n'avaient pas le droit aussi, c'est encore un autre problème. Le rêve absolu de transmettre à tes enfants. Ouais, j'avoue, c'est trop bibou. Moi, perso, je suis Tim. Tim Grenous. Ah, je sais pas c'est qui, lui. Ah non, alors. Mimi qui sent un petit fantôme qui se transforme en Pikachu. Ah oui, c'est vrai, on m'en avait parlé. Je trouve son histoire tellement mignonne. Bah limite, je préfère lui que Pikachu. En vrai. Moi, ma waifu, c'est Hinata ou Sakura. Ah, let's go, Juliette, j'adore les deux. Evoli, il sert à rien. Mais si, il est super fort, maman, Evoli. Je respire pas solo, ça colle pas du coup. T'inquiète, ton pouvoir de Bulbi te permet de... Moi, ma waifu, c'est Octolotte. Moi, oh, t'es trop chou, Trinitsu. Ah, je connais pas Jotei, celle-ci. Elle parle russe, ok. Les petites balades en famille au bord d'un lac et tout, avec un beau coucher de soleil en train de tenir la main à la madame. Je deviens trop romantique, c'est grave chaud en vrai, Lixou. Ah, je la connais pas non plus, Asuka, j'ai jamais regardé Dragon Ball encore. MDR, Grandin. Pas de soirée, Tito. Tu veux m'achever en fait? Pikachu numéro 1, t'inquiète, poulet, t'inquiète. Chacun a droit à son propre classement, bien sûr. Elle est trop mignonne, Tsukasa. Dans quel animé? J'ai pas vu. Je suis en train de m'achever. J'avoue, du toto HM, genre. Et puis les belles photos des familles que tu mets dans un cadre, tous les jours tu vois la photo. C'est ouf ce que tu as fait sur ton Discord. Tu peux même faire des fiches de présentation. Comment on fait? Désolé, je suis curieux. Oh, y'a pas de soucis, Takuma. Je suis contente que ça t'entrie en tout cas. J'ai mis beaucoup d'amour avec les motos pour concevoir le Discord, donc je suis contente que ça t'intrigue et que ça t'intéresse. En gros, pour faire ta fiche de présentation, Takuma, tu vas du coup dans le salon présentation, évidemment. Et tout en haut, t'as un petit bouton en forme d'épingle. C'est pour voir les messages épinglés, tu peux cliquer dessus. Et tu verras qu'il y aura la fiche que tu peux télécharger qui n'est pas remplie. La fiche, elle est complètement vide. Avec quelques règles à respecter aussi, car on peut pas dire n'importe quoi dans la présentation. Tu peux la télécharger, après tu la remplis à ta sauce et tu peux la poster dans le salon du coup. J'espère que j'ai bien expliqué. Akeno de TXT. TXT, j'ai jamais regardé. La seule rêve que j'ai, c'est une fille aux cheveux rouges. Mais c'est tout ce que je sais. Enfin, depuis ton Pokémon préféré.
m'appelle Hans. Soit ce serait même beaucoup trop tôt, non? Pour pouvoir tous les concrétiser. Moi, je pense au contraire que t'es large en avance. T'aggraves le temps, Lixou. Bah, t'inquiète pas, poulet, ça n'arrivera pas. Oui, c'est vrai, Lonira. C'est vrai. Pauvre roux, ouais, le pauvre. Salut, Smiley, copain, comment tu vas? Ouais, elles sont sympas, KLM, j'aime bien aussi. Mais évidemment qu'il faut pas l'écouter. Bien sûr que non, on sait que t'es adorable, Kirito.
S'excuser que ça va s'arranger. Là j'ai arrêté et ça fait du bien quand même. Ça y est, t'as eu ta dose Dragonix. Il est sur mon serveur Discord si tu veux être Julito. Sinon c'est Crochet, BLP Crochet. Voilà exactement. Même Kirito il a dit que t'étais un crack Kirito. Si c'est un Kirito qui l'a dit, obligé tu le crois. Obligé. Oh non, ça me fait trop de la peine.
Ça va et toi? Moi, ça va super bien, Charles. Je te remercie. Qu'est-ce que t'as fait de pas gentil? C'est génial, ça, Flocon, en vrai. Matrix aussi est fan de Yo-Kai Watch. Désolée, quand je me mets à parler de jeux vidéo, j'en ai pas fini. Y'a pas de problème, t'inquiète pas. On peut parler de tout par ici, puis moi aussi, j'adore les jeux vidéo. Ouais, t'inquiète pas, elle joue... C'est Dixou qui s'occupe des demandes, mais t'inquiète pas, elle va t'accepter. ouais, exactement, Quentin. Exactement. Les gens vont encore une fois me détester. Mais non, faut pas que tu dises ça. Mais je suis un mec de 12 ans et pourtant j'adore My Little Pony. Mais c'est super flocon. Non, c'est ici qu'on t'adore pour ça, justement, tu vois. C'est trop cool, MLP, c'est trop cool. Et t'inquiète pas, personne ne te jugera ici. Moi, en tout cas, je kiffe. Merci, Alexuna, tu gères. Tu gères, tu gères. Il y a plein de personnes qui aiment MLP à 20 ans et plus. Bah oui, exactement. Exactement. Je vais aller dormir, Bunny Octo. Des bisous et kiss, Bunny Triminzo. Bunny, à toi, fais de beaux rêves. Bunny, à toi, fais de beaux rêves. Repose-toi bien. Il n'y a aucune honte à avoir. Faut sois fier de ce que tu es. Oui, exactement. Tu regardes ce que tu veux. Bah oui. Bah oui, évidemment, Maëva. Je suis l'antagoniste et vilain. Ouais, let's go, Lixo. Dans ce sens-là, ça me plaît bien. Quand je vois les motos de Octo, bizarrement, j'imagine la chanson Sous l'océan. C'est vrai que c'est dans le thème d'Okuma. Y'a pas de soucis, Maëva, t'inquiète. T'inquiète. Pas de jugement selon l'âge et les goûts de chacun. Tu as tes goûts. Et si tu trouves ça bien, continue. Exactement. Oh, merci, poulet, c'est le gars, t'inquiète pas. Bonne nuit à toi, Paul, si tu vas dodo, alors plein de beaux rêves. Repose-toi bien. je te remercie. Je suis loin d'être parfaite, mais il m'arrive malheureusement d'être maladroit. Je peux aussi être très heureux de discuter avec quelqu'un d'aussi gentil. Attends, ce n'est que toi. Ah, vous êtes trop bien, poulet, poulpi. Je vous promets, je suis tellement fière de vous. Je suis tellement fière de vous. Vous êtes tellement mignon, tellement gentil avec tout le monde. Je suis trop fière de vous quand je vous vois comme ça, vraiment. Vous êtes incroyable. Vous êtes parfait. Je suis trop fière de vous. Je vous aime trop. Bonsoir, Pepe. Comment ça va? Tu vas bien? Hello. je crois que tu confonds de Octo et Kirito. J'ai jamais regardé. Ah si, j'ai déjà vu le Teletubbies. En vrai, j'avoue. J'avoue, j'ai déjà vu. Mais ça veut pas dire que j'aime bien. Ok, attention. Salut Kaneki, comment ça va? Tu vas bien? Hello. C'est nous qui sommes fiers de toi, moi, des choux matrixonnés. GG Saka LM, je suis nouveau et bienvenue à toi, Pepe. Bienvenue, comment ça va? Et merci pour les follow d'ailleurs, merci beaucoup Lily Hat. Et merci beaucoup JST. Bienvenue à vous parmi les petits poulpis, bienvenue. Mais non, Quentin, mais non, c'est grâce à vous. Ah là là, on est fiers de toi aussi. Ah, vous êtes trop chaud, arrêtez, arrêtez. Vous êtes trop chaud, merci. Oh mince, Kaneki. J'espère que ça ira vite mieux alors. Moi, ça va super, je te remercie. Mais c'est vrai, Angel. Ah, c'est vrai, Game Sweet. Moi aussi, j'en ai une. Elle a une cagoulère, la tienne. C'est vrai, Lixo, t'en as combien maintenant? Oh, merci beaucoup, Bebe. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci à toi d'être passé sur Twitch. Et merci pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est archi gentil. Bienvenue à toi. On est très fiers de toi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes beaucoup trop chou. Je vous aime trop. Tu peux qu'on voit Maëva, mince alors. Octon, bon exemple sur toi. Et je prends exemple sur vous, alors c'est donnant. Coucou, je viens de te découvrir, j'aime beaucoup ton perso. Merci beaucoup Lilia, je suis contente que ça te plaise. Merci beaucoup. Oui, regarde mes petits piercings et ta l'œil, dis donc. Tu viens de me découvrir, t'as vu ça direct, t'es trop forte. Mais merci beaucoup, je suis contente que ça te plaise.
les surnoms. Moi, j'avoue. J'avoue, c'est fou ça. C'est fou ça. Merci, Lixo, t'es chaud. Par contre, les petits poulpes, comment dire, j'ai la grande tristesse de vous annoncer qu'il est l'heure pour votre déesse Poulpi d'aller dîner. Je vais aller miamer. Je suis en retard carrément. Mais ouais, je vais devoir aller miamer les poulpis. Mais c'était super cool comme d'habitude. J'aime toujours autant discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci d'être là. Merci de discuter avec moi. Merci de passer faire coucou. Merci aussi pour les lurks. Merci pour les poulpis de l'ombre qui sont toujours là. Merci pour tout. Merci à tous les nouveaux aussi. Merci pour tous les poulpis, c'était trop cool. Là, je vais y aller, mais on se donne rendez-vous demain à 16h pour du Fortnite. On sera en bébé. Vous pourrez tous venir jouer avec nous si vous voulez. Et si jamais il y en a que ça intéresse pas, mais qui veulent venir soutenir et laisser le petit lurk, c'est très apprécié aussi. Merci beaucoup d'avance. Gros bisous à tous les poulpis, bonne nuit. Je vais vous chercher un petit raid, donc pour ceux qui dorment pas, bougez pas et on n'oublie pas le hook de raid et le vol si ça vous plaît.